s'inquiéter tous les jours, oyé, oyé. Et comme ils en connaissent un rayon, oyé, oyé, ils nous arrosent à foison d'infos anxiogènes à fond. Comme si c'était pas assez, le climat, l'inflation. On peut compter sur les journalistes pour en distiller toute une liste. Des punaises, y en a toutes les couleurs, au secours, au secours. Mais celles qui nous font le plus peur, au secours, au secours, ce sont les punaises de lit, car celles de nos jardins sont-elles beaucoup plus polies, car plus visibles aussi. Quand tu en vois une, tu t'en débarrasses, mais l'autre, punaise, quelle sale race. Tout, vous saurez tout sur la punaise, ce qu'elle bouffe, comment elle baisse, comment elle pique, où elle habite, et comment s'en débarrasser, c'est pas le plus facile, vous verrez. Tout, vous saurez tout sur la punaise. Cette sale bestiole a besoin de sang pour subsister. Si elle loge dans ton appartement, faut te méfier. Son biotope préféré, c'est ton matelas douillé. Au-dessous, elle est à l'abri, au-dessus, le supermarché. Elle plante alors son petit rostre. Injection sans douleur, le petit monstre. Un anticoagulant vient compléter à souhait l'intrusion piquante, bien rodée, vite fait, bien fait. Et quand tu t'en aperçois, bien sûr c'est déjà trop tard. Ça te démange de partout, tu te grattes et c'est tout. L'invasion va faire boule de neige. Elle a trouvé un hôtel de standinge. Tout ton corps est bon à piquer. Elle doit nourrir ses bébés à tout prix pour les enfanter, pour qu'ils deviennent de petites larves en silence car pas bavarde. Tout, les mains, le ventre, les bras, les pieds. Attaquons le volet que vous attendez, je sais, celui sur leur sexualité, épais, épais. On trouve tout sur internet, c'est même le top des recherches. La psychose est installée, il faut en profiter. D'un côté des articles scientifiques, mais surtout des insectiseurs qui nous instruisent. Très actif le mâle, bien équipé, olé, olé. 200 fois par jour si ça lui plaît, ogé, ogé. Il transperce l'exosquelette de la femelle, la pauvrette. Il préfère au vagin la panse, il s'en fout de ce qu'elle pense. Et une fois sur deux, c'est entre mâles. Pas homophobe, sympa cet animal. Une punaise peut rester vierge et enfantée, mais chez elle, pas de religion. Obsessons la reproduction. Y'a pas d'église, pas de mosquée, pas d'intégriste, pas si teubé. Y'a de quoi prendre de la graine chez la punaise. Comment faire pour s'en débarrasser? Du balai. Mais faudrait d'abord l'aspirer, ensuite la vaporiser, et puis bien les enfermer. Ou ce spécial pour matelas, elles n'y survivront pas. Méthode dure ou huiles essentielles, hard ou soft, t'en trouves tout un panel. Tout, j'ai presque tout dit sur les punaises, à part peut-être la diversion, le prétexte, l'alibi béton pour faire oublier les problèmes. Punaises, y en a tout un moulon, bénédiction que cette terrible invasion. Tu crois que je peux faire influenceuse bégon ?